Salut à tous les amis, c'est l'heure to play. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Surprise and Architect, comme toujours. Mais cette fois-ci, mesdames et messieurs, je suis avec ma petite GTX 770 que j'ai enfin reçue et que j'ai montée sans trop de problèmes. Enfin, je l'espère, hein. On va passer le test des 3 semaines, puisque quand je l'avais acheté, bah, elle a tenu 3 semaines. Sauf que je l'avais manipulé, puisque j'avais dû remplacer mes 2 disques durs, donc j'avais dû ouvrir mon boîtier plusieurs fois, donc c'est peut-être à cause de ça. Bon, là, on va rien toucher, et on va voir pendant 2-3 semaines ce que ça donne, mais normalement, pas de problème. Donc là, je joue en plein écran, full HD, c'est génial. Donc voilà, vous avez pu constater quelque chose, c'est que j'ai terminé en grande partie la prison et je viens de me rendre compte que j'ai oublié une salle, la salle de sécurité. Ouais, que je vais devoir faire quelque part. Ici, je vais agrandir. Je vais faire une salle de sécurité ici. Donc voilà. Là, on a de quoi accueillir des prisonniers. Vous voyez un peu le pattern. Alors, je vous raconte pas comment c'était un peu chiant pour construire ça. Mais tu sais, on en fera un ensemble plus tard. Pour l'instant, j'en ai besoin que d'un, sachant que chaque bloc peut accueillir un total de 40 prisonniers, 10 par côté, on va dire. Avec un petit yard au milieu, 2 douches. J'ai mis la masse de douches, hein. Ici, il y aura une salle commune au milieu. Enfin bref, une assez grande infirmerie. Voilà, 2 cuisiniers, 2 gardes. J'ai rempli quelques contrats, mais bon, pas énormément. Là, on va avoir 10 prisonniers catégorie normale. Et puis on va pouvoir commencer à s'amuser un peu. La petite salle de je sais plus quoi d'ailleurs. Oui, pour ranger les produits de nettoyage. Ah, ça fait plaisir de se retrouver avec une vraie carte ultra puissante. Parce que je peux vous dire que j'ai testé. Je me suis fait plaisir. J'ai testé War Thunder. Un délice. Puis d'autres jeux, faut que je réinstalle. Là, je suis en train d'installer Splinter Cell Blacklist. Donc, je vais vous faire un let's play dessus. J'ai super hâte de vous faire une aventure dessus. On va pouvoir reprendre tranquillement CitiesXL. Faut juste que je remette les mods. Dota 2. Et bien évidemment Black and White comme vous l'attendez. Et on m'a aussi demandé SimCity. Mais ça, on va voir si j'ai le temps. Une petite partie en multi, on verra ce que ça donne. On verra si j'ai le temps parce que j'ai pas mal de boulot. Donc voilà, ça va s'organiser. Il y aura bien sûr du merde, comment ça s'appelle? Du Dawn of War 2 comme je vous l'avais, comme on me l'avait demandé, comme je vous l'avais dit, et du Civilization 5. Bon, je vais voir comment je vais ordonner tout ça. Bref, en tout cas, j'ai envie de vous faire une aventure sur un RPG où il y a une histoire. Sachant que j'en ai acheté pas mal des RPG, bref. Seigneur des Anneaux notamment. Ah ben voilà. Bah tiens. Bah j'ai trouvé. Ma prochaine vidéo sera ma prochaine série sur un jeu d'aventure. Parce que Splinter Cell, je vais attendre Noël pour avoir mon micro. Et là, vous aurez le top de la qualité. Donc le prochain let's play, comme je disais il y a 2 secondes, nos prisonniers vont arriver. Bah tiens. Je pensais à un truc d'ailleurs. On va rajouter plus de gardes. Et voilà, les portes se sont fermées, c'est nickel. Voilà nos petits prisonniers qui se ramènent. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors début du let's play sur Seigneur des Anneaux, The War in the North. Donc là, voilà, on va s'amuser, on va voir ce que ça donne. Sachant que aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau moyen de filmer. Je l'attendais depuis longtemps. Il est sorti il y a 1 mois ou 2, je crois. Sauf que je pouvais pas y avoir accès vu que j'avais pas ma carte. Nvidia, je précise, hein, parce que c'est que pour les Nvidia. Nvidia, avec le logiciel GeForce Experience, a incorporé un petit programme pour capturer des vidéos, des gameplays, mais en ultra bonne qualité. C'est limite original. Qualité originale, c'est-à-dire 1080p, 60 images par seconde, et tout ça sans vous prendre un pet de ressources. J'ai testé, c'est juste magique. C'est comme OBS, là, avec lequel je suis en train de filmer. Sauf que bon, c'est un peu plus lourd par contre. Sauf que c'est en MP4, donc c'est encore moins lourd que le Eevee. Donc j'aurais pas besoin de faire un montage secondaire. Et en plus, mais là ça va être vraiment le, ça va être vraiment le, mais l'éclate quoi. Qualité 1080p, 60 images par seconde, sans perte de ressources. Mais de l'ultra bonne qualité, parce que là j'étais pas trop satisfait ces derniers temps de OBS, parce que à cause du format, je suis obligé de faire de double montage et je perds vachement en qualité. Bref. Voilà, je suis pas super fier. Donc là, ça va être le top. Le seul inconvénient, c'est bien sûr que ça prend que les jeux qu'il y a dans le GeForce Experience. Mais bon, il y en a de plus en plus qui sont incorporés, j'ai vu, c'est ça, c'est sympa. Il y en a pas mal. Donc par exemple, Prison Architect, je peux pas le filmer avec. Mais bon, c'est pas un souci. OBS, ça marche très bien aussi. J'avais oublié que j'avais 10 prisonniers, donc là j'ai que 8 cellules, faut que j'en fasse. Object, on va leur faire
Tac. Tac. Avec un petit pieu. Pieu, 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 pieu. Alors où sont les pieux? Je suis à... Ah bah putain, mais en plus c'est les premiers. Bref, je suis un peu aveugle. Voilà, eux ils ont un. Je voulais faire un truc aussi, staff. Je les ai pas débloqués, le janitor. Bureaucratie là, qu'est-ce qu'ils attendent? Allez, là j'ai acheté tout ça et ça se fait pas là. C'est quoi ce délire? Ah, mais d'accord, bah, je suis con moi. Faut que j'embauche un contremaître. Forcément, si je fais pas ça, la recherche peut pas démarrer. Eh oui! Espèce de bêta, pareil pour le chef de la sécurité. On va embaucher ça tout de suite. Voilà. Et un avocat, mais ça on le fera après. C'est nickel. C'est nickel. Sachant que j'ai des... Ah, j'ai pas encore débloqué le déploiement. C'est dans les... C'est dans les... Dans la file d'attente. Donc là, il y a une belle entrée de prison, bien gardée. Là, vous pouvez voir que je me suis gouré, j'ai mis des barrières avec des murs, j'ai payé bonbons pour rien. Et là aussi, ils veulent pas détruire ces murs-là. J'ai des bouts de murs qu'ils veulent pas détruire, je ne sais absolument pas pourquoi. Alors, si vous avez une autre solution, ils veulent pas les détruire. Ils veulent pas. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi, mais ils veulent pas, ils font chier. Bref. Ok, alors là, nos prisonniers... Bah, elles sont tranquillement installées. Oui, par contre, ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé, le régime. Alors, on va se faire un régime... Bah, alors, pour l'instant, on va pas mettre le travail. Donc, ils vont se lever à 7h. À 7h, ils vont prendre une douche. Une douche. Ils vont manger, tac, de 8h à 9h. On a un free time de 2h. Après, un petit yard. Une petite sortie. Ils rebouffent de midi à 15h. Ouais, c'est peut-être un peu éloigné. Ouais, ils rebouffent de midi à 15h. Encore du yard. Du free time. Ils mangent de 9h à 10h. Et après, ils vont se coucher. Voilà. Ils prendront une douche le matin. Et puis c'est bon. Ils prendront une douche le matin. Bon, on va faire ça pour l'instant. On va pas mettre le travail. Parce que le travail, j'ai pas encore construit. Alors je précise ici, ce sera ouais, la salle de travail. Je fais un truc un petit peu design. Voilà. Je pensais aussi faire là, je vais en profiter pour le faire avec vous. Puis un peu tout seul. C'est faire tous les chemins pour relier un peu pour qu'ils aillent plus vite. Ok. C'est l'heure de la bouffe. Enfin, c'est vrai que par contre, peut-être à 13h là. Peut-être une douche là, non, je sais pas. Peut-être une douche là, ouais. Voilà, bon, pour l'instant. Ah, si, quand même. Le danger est quand même élevé, c'est bizarre. Bon, on va s'occuper de la salle de sécurité. Ça devrait suffire. On va la faire un tout petit peu plus grande. Ouais, voilà, comme ça. Par contre, je devrais mettre la laverie à un autre endroit. Bah tiens, on la mettra là, la laverie. Ici. Laverie ici et là, workshop. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Niveau électricité, on est plutôt en sécurité. J'ai foutu tous les capaciteurs. J'ai un petit peu pété un câble là-dessus, mais bon. Hein. Alors, voyons voir. On va mettre des chemins. On va s'occuper un peu de l'aspect extérieur de la prison. Alors, on va prendre des trucs outdoor only pour qu'ils speed fast. Gravel road. On va pas mettre de la road. Concrete door. Speed fast. Stone outdoor. Non, stone c'est paving stone. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tiens, on va mettre des trucs là. Kitchen, on va un petit peu dépenser. Regardez, il me reste 135 000. J'ai largement de quoi faire. Hein. Va falloir qu'on fasse mettre des détecteurs de métaux. Mais là pour l'instant, on n'a pas assez de prisonniers. On va attendre demain. Bah écoutez, on va mettre ça. Hein. On n'a pas d'autre choix. Ouais, paving stone. On va faire des chemins de 3. Donc déjà. Voilà. Là. Bon, alors je vais faire un truc potable. Ouais. Oh, c'est pas super potable là. On va faire... Bon, voilà. Hein, je suis pas professionnel. Je fais pas des chemins tous les jours. Hein, vous m'excuserez, mais...
ici, surtout sur les côtés. Puis à l'intérieur des miradors aussi. Et vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai fait des miradors, mais bon. C'est pour le style quoi. Puis ça évite comme ça que s'ils creusent, ça leur fait une nouvelle barrière. Ici ils ont fini. Planning. Ah, ils m'ont pété le mur. Hop. Room security. Alors, security, security. Putain, mais je suis vraiment aveugle. Ah, mais je peux pas. Ah, bah d'accord, j'ai pas débloqué. C'est pas grave, on va mettre juste une porte. Stay door. On va mettre une porte basique. Voilà. Voilà, voilà. Et on va attendre. Lui, il peut pas bouger. Open. Ouais, on va laisser open la porte. Ah ouais, par contre, il peut pas bouger non plus. Ouais, je vais devoir rajouter la masse de garde. Déploiement, c'est bon, on l'a débloqué. Alors, on va mettre Steph only. Ok. Garde. On va en mettre un là. Un là. Tu vois là. Ça devrait suffire. On a fini les clones. Vous allez voir que les clones c'est très pratique. D'ailleurs on va le faire maintenant. Le clone ça me permet de cloner absolument ce que je veux. C'est-à-dire pièces, bâtiments, carrément, enfin tout. C'est juste trop jouissif, vous allez voir. On va faire ça avec. Ah oui, par contre j'avais oublié. Il n'y a pas les chiottes, il n'y a pas le sanitaire là. Voilà. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur clone. On clone. Ah oui, c'est clic. Non, c'est clic droit. Merde. Voilà, clic droit. Voilà, et ça. Ça clone ce qu'il y a dans le carré qu'on a sélectionné. Et on n'a plus qu'à cliquer. Ouais. Et voilà. Sauf que j'ai fait le con. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon, ça marche. Ah oui, alors par contre maintenant, je suis obligé de. Voilà. Voilà, c'est pas beau ça. Et voilà, ça vous fait économiser vraiment beaucoup de temps. Par contre ici. On a pas une porte. Alors je ne sais pas pourquoi. On va faire le raccordement sanitaire. Voilà, on n'a plus besoin de trop vérifier le comment s'appelle le fric là. On a largement assez. Auto saving. On va peut-être ouais mettre un petit peu de sol si vous voulez. Un peu de sol ici. Oui. Alors dans la cantine. Concrete floor. On va mettre du concrete floor. Bah c'est déjà ce qu'il y a dedans. Ah oui, merde. Indoor. On va mettre ça. Céramique. On va mettre du céramique. Ça va me coûter. Ah! Ah oui, c'est vrai que ça coûte très cher. On va pas mettre du céramique. On va mettre du mosaïque. Voilà, mosaïque, c'est très beau et c'est très bien. Et c'est moins cher. Parce que faut pas exagérer non plus, hein. Ici, on va mettre de la pierre. Pierre. Ah, on peut pas mettre de la pierre dans les douches. On aurait pu faire genre douche italienne. Non, je déconne. White. On va mettre du carrelage là. Et peut-être mettre une touche de couleur dans les cellules. Pourquoi pas pour un petit bois exotique. Voilà, c'est sympa et tout. Ça pourrait le faire ça aussi. Bon, alors est-ce qu'on a débloqué les. Ouais, on a débloqué. On a débloqué le déploiement aussi, je suppose. Le mur. Le mur n'a pas été construit ici. L'électricité ne vient pas non plus. Ça perd les popettes. Alors, object. Mais je peux pas. CCTV. Ah, mais je l'ai pas. D'accord. CCTV, d'accord. C'est bon. Je lance. Dogs. On va pouvoir le faire. Je vais mettre prison policy. Contraband. Ah, je vais pouvoir engager des janitors. Staff. Il m'en faut. Hein. Parce que c'est. On va mettre 3 janitors, Gisèle, Marc et André. Les 3 janitors. Welcome. Par contre, je gagne plus rien. Ah, oh, ça c'est. Ah, mais je suis con, j'aurais pas dû faire ça. Putain, mais c'est nul ça. Ça c'est nul.
Je... Ah ouais, ouais, non, ça c'est pourri. Dismantle, dismantle. Ah non, non, c'est pas possible. Ouais, non, non, faut la détruire celle-là parce que. Faut qu'il puisse passer tout le temps là, sinon ça va être la merde. Vas-y. Démonte-moi ça, Robert. Je vais voir ce que je vais faire ici. Ils construisent, c'est parfait. Bon, on va attendre les prochains prisonniers qui arriveront demain. 10 autres prisonniers, on sera à 20. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, il construit le sol, d'accord. Les mosaïques, on va voir ce que ça donne. Alors, on va rajouter un petit mur ici. Et une stave door là. Voilà. Et comme ça, c'est parfait. La cuisine a l'air d'être parfaitement propre. Là, il s'occupe du nettoyage de la holding cell. Lui, il faut qu'il aille ouvrir. Je sais pas ce qu'il y a. Ah, il y en a un dehors, ok. Ah, c'est parfait. La holding cell qui est parfaite. Il nettoie les chambres, ouais. Là, je suis content, ça se passe plutôt très bien. Ici, bah, on va pouvoir faire un truc sympa, hein. Avec des barbelés, des arbres et tout. Ouais, après, on pourra toujours détruire, hein. C'est pas définitif, hein. Genre, voilà, non mais là, avec par exemple de l'herbe. Voilà, on peut faire un truc sympa comme ça. Et pareil là, concrete floor, alors je sais absolument... J'ai dit quoi là? Voilà. Voilà. Comme ça c'est parfait. Ah oui, par contre, je viens de me rendre compte qu'il faut que je construise des solitary au cas où il y aurait des bastons. Là. Voilà. Ça, ils vont aller me construire ça. Bon, on arrive, on est bientôt. Tac. Je regarde s'il y a pas, j'ai pas laissé des plannings inutiles. Ah, ben merde. Ici, mon PT, j'avais pas tilté. Ils peuvent se barrer. Ok, bon, ça se passe plutôt bien. Je suis content. Ah, par contre, là, c'est la merde. Hein. Ouvrez-moi ça. Ouvrez-moi ça. Il manque toujours l'eau ici. Ils dorment paisiblement. Tout va pour le mieux. On est déjà au jour 8. Ici, prépare la bouffe. Là, je sais pas ce que c'est, mais. Voilà, ouais, bon, là il commence à être. Ah, mais les docteurs aussi, j'avais pas pensé à ça. On va en mettre un. Waouh, je suis en déficit. Oh, bonjour. Voici Paul. Il a fait 10 ans de médecine, bac plus 18. Oh non, j'ai conné. Voilà, et il finit dans une prison. Je déconne. Il y a aucun mal, bien sûr. Hein. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. On va faire ça comme ça. Et on va mettre de la jolie herbe avec des jolis arbres. Voilà. Object. Des arbres. C'est marrant que ce soit compté comme étant des objets. Pourquoi ils rajoutent pas des fleurs aussi tant qu'ils y sont? Hop. En plus ça coûte rien. Mettons des arbres, c'est bon. C'est l'écologie quoi. Comme ça, ça ferait une jolie. Ah! Ah oui, merde! J'avais oublié ça. Inondation, inondation, inondation. J'avais oublié de mettre des drains. Ah oui, j'avais oublié de dire aussi, je peux enfin tourner en multi-sample. Voyez le résultat, c'est beau. C'est très beau. Mais... Attendez, je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie là. Ouais, attendez ça, on va les mettre... Ouais non, au final, j'avais raison de les mettre comme ça. Voilà. Comme ça, c'est parfait. C'est juste... on va en mettre d'autres d'ailleurs. Ah, je suis content, on va faire enfin une belle prison, on va s'amuser. Oui, on m'a demandé aussi de... Notamment de... Ils ont pas fini la tuyauterie. De faire une salle d'exécution. Allez, ouvre cette porte, bordel. Putain, y a pas de garde. Ah, c'est bon. Ben, c'est bon, les nouveaux prisonniers sont arrivés et ils attendent parmi les pelotes de gazon et les boîtes, les caisses. Y a aucun garde là.
Putain, il m'en faut d'autres. Voilà, 4 beaux gardes. 4 beaux gardes, pardon. Elle était nulle. Voilà, c'est parfait. On va rajouter un cuisinier. Bon, j'utilise un peu mon budget parce que je sais que j'ai de quoi faire là. C'est parfait. Il n'y a pas d'autre mot. Material concrete. Ouais, il faut qu'ils avancent. Bon, les chemins, par contre, voilà quoi. En fait, ce que je devrais faire, c'est que je devrais combler tous les trous en fait, parce que sinon, c'est pas beau. Voilà, ça fait plus classe. Puis ça coûte rien. Voilà, bon, ça après je le ferai tout seul, hein. Je vais pas vous faire chier avec ça, bref. Ça coûte quand même la peau du zboob, hein, y'a pas à dire. Juste là, je voulais faire un truc joli à l'entrée de la prison pour pas qu'ils se sentent, voyez, trop mal à l'aise dans la petite prison. Petite prison très accueillante d'ailleurs. Par contre, ils ont toujours pas construit ça là. Ah, c'est vrai qu'ils sont débordés les pauvres, hein. Ils ont tellement de trucs. Ah, mais je suis pas en temps rapide depuis tout à l'heure, j'avais pas tilté. C'est qui lui? Ah, c'est... Oh la vache, c'est un black à poil. J'avais pas compris. Putain, ils ont fait l'arrêt du cul assez grosse quand même, hein. Les mecs, ils ont des raies du cul qui leur remontent jusqu'à la tête, jusqu'à la nuque. Tu te demandes ce qu'ils ont. Ici, ils ont quasiment fini d'installer le... Putain, t'as Michel là qui est encore depuis... Ça fait 2 jours qu'il y est, tu sais. Il installe la mosaïque, ça fait 3 semaines qu'il y est, le mec. Ici, je rajouterai des télés sûrement aussi. Contrebande. Il y a déjà des cigarettes, de la drogue. Des narcotiques dans la salle des visites. Ah. Et cuillette fourchette toujours dans la cantine, hein. C'est un vrai fléau, hein. Job, ça je l'ai pas encore. Je vais pouvoir faire des patrouilles. Ça c'est bon. Mais bon, il n'y a pas assez de prisonniers pour l'instant. Est-ce qu'ils m'ont construit là-bas? Non, parce qu'ils peuvent toujours se barrer, les mecs. Et on va voir. Ah, ma prison vaut déjà 300 000. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Je vais peut-être staff rajouter un workman. Voilà, comme ça il y en aura 6. C'est parfait. Par contre, ils veulent toujours pas me détruire ces putains de murs. Ça c'est chiant, ça fait moche. Ah oui, j'avais oublié de... Contraband. Ouais, ça c'est bien. Contraband. Oui, voilà, c'est ça. 1000 quantity, on va mettre... High. Et... High. Non, medium. Voilà. De la grosse quantité, mais pas beaucoup de variété. Ça... Ah, ça me coûte la polus boob. C'est cher, mais bon. Hein. Là, on va pouvoir accueillir la masse de prisonniers... Et pour l'instant, ils se... ils sont au poil, là, si j'ose dire. Là, il y a... Putain, mais... Ils sont trop débordés, les workmen, là. Là, faudrait qu'il y en ait un qui me... Ah, qui me fasse les tuyaux, là. Le sanitaire, là. Bon, par contre, là, il y a une toilette qui bug depuis le début. J'ai remarqué. Ici... Faut que je fasse le chemin. Vous voyez à peu près... voilà, les trois blocs réunis comme ça, ça fera... Ça fera 120 prisonniers, quoi. Sachant que là, on en a 20, 40, ouais. 120 plus 160 plus ces deux-là, là. Ça nous fera presque un peu moins de 200 prisonniers. Mais après, de toute façon, je vous le dis, ça c'est sûr, pardon. On agrandira sur le côté. Voilà, on fera une méga grande prison. Qu'on vendra après pour en faire une encore plus grande dès le début. Et ça, vous allez voir que ça va être génial. Bon, par contre, ça a tendance à un tout petit peu bugger quand je me déplace et que je recule. Ah là là. Puis en plus, ce silence avec cette carte graphique. C'est magique. Attendez, je retire mon casque. Oh, le silence est pas plus de 45 degrés à pleine puissance. Alors que l'autre, elle atteignait 90 degrés. Et elle faisait un bruit pas possible. Là, c'est même pas 45 degrés. Aucun bruit, 0 décibel. C'est parfait. Putain, ils se dispersent pour bouffer, hein. Alors, en fait, j'ai même pas regardé qui on avait comme prisonnier. Faisons les présentations. Au Goodman. On a Goodman. Dilly Goodman. Je t'aime bien, toi. T'as une bonne tête. Alors, a mercurial character is had so many aliases. They are no longer recorded.
In fact, the longer you stare at his profile, the more you're convinced you used to know this convict. Something in the eye seems familiar, even though the rest has changed. Oui, par contre, quand je lis anglais, je cherche même pas à comprendre ce que je lis, c'est qu'après que j'essaie de comprendre. Bref, bon voilà. Il a 55 piges et il a encore 18 ans à attirer. Hein, parce que le pauvre Manslaughter, je sais pas exactement ce que c'est. Par contre, il a plaidé que deux fois non coupable. La plupart du temps, ouais, putain, ah ouais. Putain, mais c'est un gros criminel en fait. Faut faire gaffe à lui, je te tiens à l'œil. Le yard. Je vais peut-être. Non, mais il y a trop de yards là. Voilà. Je vais mettre plus de free time. Je me lancerai bientôt dans la construction de la. Comment ça s'appelle là? De la common room. The common room, bitch. Si ça se construit, c'est nickel, c'est beau. On aura une belle prison. Présentable. Avec de l'herbe. De l'herbe et des fleurs. Je vais préparer les mods pour Skyrim aussi, si j'y pense, et pour Fallout. Oh, vous allez voir, ça va être génial. Putain, j'ai trop hâte, les mecs, j'ai trop hâte. Ça va être génial. Ça va être génial. Ah oui, putain, mais j'ai complètement oublié en plus. Faudrait que je mette mes nouvelles intros. Bah écoutez, pour la prochaine prochain début de série, je mettrai la nouvelle intro. Voilà. Et faut que je trouve aussi, faut que je trouve un nouveau design pour mes miniatures. Ça, je vais bosser dessus. Voilà, miniature et intro. Que je vais peut-être un tout petit peu modifier l'intro, je vais voir. Ici, vous avez une autre. Je sais pas. Je vais voir. Je vais pas changer la musique, hein. Je vais juste changer un peu la forme. Déjà, je me suis rendu compte que faire une intro pour chaque jeu, c'était juste la merde. En fait, enfin, je veux dire, c'était merdique parce que, au final, dès que je changeais de jeu. Ben, je pouvais pas mettre de... Comment on dit, de... Merde, attendez. Je pouvais pas mettre de... Comment ça s'appelle? Ah, je perds mes mots! Je sais même plus ce que je voulais dire. Je pouvais pas mettre... Je parlais de quoi? Je pouvais pas mettre... Je pouvais pas mettre... Ah oui, c'est ça. Oui, voilà. Oh putain, gros trou de mémoire là, ça va plus. Wouh. Faut que je me calme. Dès que je changeais de jeu, je pouvais plus mettre d'intro puisque j'avais pas d'intro. Enfin, c'était chiant quand j'étais obligé de bidouiller, c'est la merde. Bref, voilà. En gros, je vais faire une intro universelle pour tout, juste avec mon nom et un truc comme ça. Mais pas avec le nom de chat jeu, sinon ça va être la merde. Je vais juste un peu la modifier, voilà. Comme ça, sera beaucoup plus simple pour moi et beaucoup moins chiant au montage, hein, clairement. Clairement. Il n'y a pas photo. Bon, allez, on va attendre 8h du matin. Tiens, on va mettre des lumières aussi. Ça pourrait être sympa, les lumières, parce qu'on n'y voit pas assez... Tu vois, des trucs comme ça. Alors, on va faire un truc assez joli, quand même. Voilà, histoire qu'on y voit un peu plus clair. J'en mettrai aussi dans les miradors. N'empêche, ça commence à coûter cher. Merde. Où est-ce qu'il est là ? La tension monte. Ok. Putain, c'est con ce que j'ai fait. J'aurais dû les mettre sur les murs. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Ah, bah tiens, je pensais à un truc aussi. J'arrête pas de penser à des trucs là, c'est les révélations. Bah tiens, les CCTV, on va faire ça. Les détecteurs de métaux. On va faire ça comme ça. Il y a la poubelle qui gêne en fait. Ici. Voilà. C'est parfait. Et ici aussi, puisque les prisonniers ne passeront jamais la prison sans être passés sous un détecteur de métaux. Voilà, c'est dit. Bah tiens, on va s'occuper de la salle room de security. J'ai peut-être fait trop. Ouais, mais on va mettre la masse de... On mettra au moins 4 gardes dedans.
Ouais, comme ça, là, là, normalement, cette salle gérera toutes les caméras de toute la prison. Object, motherfucker. Alors, office desk. Le mec, on va le mettre là, tout seul, dans le coin, avec son file cabinet, filing cabinet, ici. D'ailleurs, là. Alors, on va mettre des détecteurs. Voilà. Déjà, on va mettre ça. On en mettra, on pourra en mettre 1, 2, 4, 8, 8. Ouais, on pourra en mettre un peu plus d'une dizaine. Ouais, je pourrais caler la masse, là, le truc. Je gagne que 76, c'est pas beaucoup, hein. Faisait un, ok. Donc là, il y a un garde là qui est venu, je sais pas pourquoi. Puisqu'il y en a sûrement un assigné à chaque fois. Utilities, c'est vrai qu'il faut l'électricité. Tac. 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 C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Regardez-moi ça, ils dorment comme des bébés. Regardez. Ah merde, le brouillard de guerre. Bah tiens, j'ai pas pensé à mettre les caméras. Donc, nous aurons une caméra. Une caméra. Là. Une caméra là. Une caméra là. Une caméra là. Voilà. Une caméra là. Une caméra là. Et une caméra là. Voilà. Ainsi qu'une caméra. Ici. Et. Ici. Voilà. C'est bon! Il leur faut l'électricité, bien sûr. Sinon, ça ne peut pas marcher. Heureusement, il y a le secteur ici. Bon, bon j'ai fait complètement le réseau électrique, vous voyez, et d'eau. Il n'y a plus de problème. Hein. On sera plus emmerdé avec ça. Bon, on attend 8h du matin et puis on se quittera là. Hein. Bon, j'ai peut-être fait une infirmerie un peu trop grosse. Je me demande. On va foutre ça. 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 C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est là. Ah oui, alors par contre, est-ce qu'il faut de l'électricité? Non, il faut pas l'électricité, c'est bon. Alors. Déploiement. On fera les patrouilles plus tard, hein, je pense. T'as formé. Garde. Garde, garde, garde. Ouais, c'est parfait. Sauf qu'il y en a déjà un, mais bon, je sais pas ce qu'il fout. Auto-saving. Ah, c'est parfait. Tout se passe pour le mieux, à vrai dire. Ah, j'ai oublié de mettre des lumières ici. Object light. Toujours mettre des lumières. Et vous voyez que les personnages se déplacent beaucoup plus vite sur de la pierre, comme ça. Putain, ils sont 4 ici. Mais allez bosser, faites quelque chose. Faites quelque chose. Ici, prépare déjà la bouffe. Pour le petit déjeuner, le matin directement. Alors voilà, normalement, là c'est bon. Comment je fais? Non. Non. Merde, j'ai oublié comment je faisais. Ah si, si, je sais, je sais, je sais. Regardez ça. Déploiement, garde patrouille. Non, merde. Voilà, et on met un garde dedans. Et c'est parfait, et voilà. C'est nickel. Bon, par contre, sécurité. Déploiement là. Voilà. Comme ça, eux ils vont bosser, ils vont faire autre chose. Hein. Au lieu de rester là, se la toucher. Ah bah tiens, il m'en faut d'autres. Il n'y a pas assez pour toutes les. Voilà, j'ai 9 caméras et je peux. Sachant que chaque double moniteur ne me permet d'en avoir que 6. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est bien à savoir, je veux dire. Ok, on va voir les nouveaux prisonniers. Alors, qu'est-ce que je fais si ça fait ça? Oh, ça va, ça bug pas.
Là, vous avez le top de la qualité vidéo. Ça perd les popettes. Laissez pas traîner les patates, voyons. Bon, la bouffe a l'air d'être prête. Je vais encore recevoir 8 prisonniers, ouais. Ah, bah tiens. On va en profiter pour cloner. Ah, bah tiens, j'ai gardé. Attendez. C'est ça, hein, ouais. Allez, on va faire ce côté-là. Donc, ça veut dire que 8. N'en faut que 6. 1. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah! Room. C'est pas ça, il faut que je refasse le clone. Voilà, là c'est ça. 1, 2, 3. Quoi? Merde! Ah! Stoppez ça! Object. Voilà, je me suis encore chié. Ah, mais c'est différent cette fois. Bon, écoutez, on va pas se casser les couilles. Comment je vais faire? On va les faire manuellement. Hein. Comme ça, on pourra les faire là-bas. Allez, hop. Il m'en faut que 6. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Object. Alors, par contre, est-ce que c'est... Non. Résultat, ça va pas le faire comme comme ça. Voilà. Ah, ah, hop. Hop. Voilà. Pardon. Hop. Les shots. Voilà, et les petites pop portes. Voilà, nickel. Ok, toutes les caméras sont actives, c'est parfait. Oh, mais c'est génial, hein. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Alors, les prisonniers, quand est-ce qu'ils arrivent? Ils sont arrivés? Wow, 18 prisonniers! Après, d'accord. Je comprends pas les prisonniers. Ah, mais ils sont déjà. Wow, la cuillère, ça commence déjà. Brink, la cuillère, ça va pas, non? Et t'as 16 années à... Putain. Faudrait que je regarde ce que c'est Manslaughter. Ok, bon, on a reçu les prisonniers. Tout est nickel la semaine prochaine. La prochaine fois, on construira le workshop. Ah bah tiens, ici, ils ont construit. Ils ont construit. Solitary. On va mettre... Object. Je construis juste le Solitary. 500 boules les portes, hein. Vous avez intérêt à les utiliser, hein, parce que là... Voilà. Non. Merde. C'est quoi ça? Faut le faire. Ah, 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 ah. Voilà. C'est parfait. Ok. Bon. Bah écoutez les amis, on va se laisser là. Hein. Sur cette magnifique prison. Tout se déroule pour le mieux. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Je lance juste ça. Bureaucratie. Voilà. Parce que je me rends compte que c'est dégueulasse. Allez. Salut à tous.